Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Alors, je vous retrouve à la maison pour vous parler donc des aliacées qu'on a récoltées. Vous allez voir à la fin. Je vais commencer plutôt par ce qui est sympa parce que si je commence par la fin, vous allez vous barrer tout de suite. C'est assez intriguant. Je vous en toucherai un mot tout à fait à la fin. Je vais commencer peut-être par ce qui a pas trop mal marché. À savoir les oignons. Alors, une petite précision quand même au départ, j'ai cru vraiment que mes oignons étaient atteints par une attaque de mineuse, et après avoir consulté les épisodes 73 et l'épisode 106 également chez Jaco et Lily, j'ai continué de chercher un peu par ailleurs et je me suis rendu compte que mes oignons n'étaient pas du tout atteints de la mineuse, mais présentaient d'autres petits problèmes. Donc la mineuse, c'est non. Néanmoins, je vous invite à faire un tour chez Jaco et Lily si vous êtes concerné par la mineuse, hein, qui manifestement provoque des torsions dans le feuillage des oignons, ce qui n'était pas le cas chez moi. Et profitez-en pour jeter un coup d'œil à tout ce qu'ils font d'autre, c'est très très intéressant. En ce qui concerne mes oignons, donc plusieurs petits problèmes, disons, identifiés. Je vais vous montrer ça en image, ce sera plus simple. Voilà. Alors, de mémoire, on avait planté, je crois, 2,5 kg de bulbes, hein, tout aliacé confondu, hein, ail, oignon, échalote, etc. On devait avoir planté, je crois, de mémoire, 2,5 kg de bulbilles. Et alors, j'ai certains bulbes, vous voyez, qui se sont développés, disons, de manière très très importante sur la tige, sur la partie aérienne, et dont les oignons cherchaient clairement à se diviser. Hein, voilà, on le voit bien ici. Bon, l'oignon, sa vocation, c'est quand même d'assurer la reproduction de la plante en principe, hein, en plus des graines. Donc on a les fleurs, ici en terminaison que j'aurais peut-être dû supprimer. Ou pas, vraiment j'en sais rien, je m'en remets à vous, hein, en l'occurrence. Vous voyez, j'en ai quelques-unes comme ça, et qui ont toutes la caractéristique quand même d'avoir cette partie renflée dans la tige, et surtout donc une tige unique, hein, qui finalement n'est pas vraiment une tige mais une hampe florale, puisque en terminaison se trouve tout de suite la fleur. Il n'y a pas vraiment le feuillage à proprement parler comme on peut le trouver chez les autres bulbes. Et alors on a un oignon qui s'est, je vais le mettre comme ça devant le mur, on a un oignon qui ne s'est pas développé, très peu, voilà, c'est le cas ici. Les oignons rouges ont été un peu plus impactés que les oignons jaunes chez moi. Voilà, hein, c'est ça, c'est pas propre à la consommation a priori. Hein. Et voilà, qui cherchait, voilà, on le voit très bien ici, à se diviser. Hein. J'ai plusieurs autres oignons ici qui allaient apparaître. Bon voilà, alors au total, voilà, j'ai ça, voilà, cette grosse botte ici. Là, bon, ça fait pas bien lourd, hein, mais voilà, ça c'est pas, à mon avis, propre à la consommation. Peut-être que je me trompe, mais a priori, ils se sont pas développés correctement, je ne sais pas pourquoi. Autre chose que je voulais vous montrer également, c'est des choses que j'avais repérées sur certaines tiges, certaines de ces hampes florales plutôt. Alors je vais essayer de vous trouver ça. Il s'agit de, voilà, j'en ai une ici. Alors la tige s'est cassée à cet endroit. J'avais des perforations comme ça, un peu allongées, et c'est ça qui m'avait fait penser à la mineuse au départ. Renseignement pris, la mineuse s'attaque plutôt quand même au niveau du collet de la plante, donc c'est pas ça, hein, il s'agit pas de ça. Mais j'avais un certain nombre d'ouvertures, on va dire, pas très grandes, qui s'étaient créées dans ces tiges. Et j'ai imaginé qu'à un moment donné, un ravageur, sans doute, profitait de ça pour... était entré, hein, dans le creux de la tige. Alors, bon, je vais pas retrouver. C'est toujours pareil, quand on veut montrer quelque chose, on trouve pas. Voilà donc ici, clairement, des ouvertures de ce type-là dans le feuillage. J'en avais remarqué un certain nombre, et je m'étais imaginé que c'était peut-être ces fameuses mineuses qui rentraient par là. Apparemment, il n'en est rien. Alors mes oignons rouges, voilà, 2,4 kg récoltés, c'est pas bon, ils sont pas
ils sont pas vilains, ils sont pas super non plus, et surtout il y en a pas énormément. Ils ont pas mal été concernés par le problème que je viens d'évoquer, hein. Donc je ne connais plus la variété, mais bon, on essaiera peut-être de changer quand même. J'essaierai de retrouver ce qu'on a planté, puis on essaiera de changer l'année prochaine pour voir si on peut trouver quelque chose qui convienne un peu mieux. On va trouver ensuite les oignons jaunes. Alors voilà, hein, le calibre. Voilà, c'est du bel oignon déjà, hein, c'est de la belle taille ici. Donc je les ai rangés par eh bien par calibre. Donc ici ce sont les plus gros. Ce que je viens de vous montrer là, ce sont les plus gros dont je dispose. Ah voilà, on retrouve ici les fameuses ouvertures dans le feuillage, hein, dont a priori il ne s'agit pas de plaies créées par les larves de mineuses, mais bien autre chose. Alors j'ai pas réussi à identifier. Si vous avez une petite idée là-dessus, bon, il semblerait que ce ne soit pas préjudiciable vraiment au développement de l'oignon, mais ça m'intéresse vraiment de savoir ce que c'est quand même. Donc les plus gros oignons ici, 4,2 kg pour ce colis ici. Voilà, donc 8, presque 9 kg ici dans un calibre plus moyen, un peu moins gros que les autres. C'est dans cette catégorie, j'allais dire, qu'on en a eu le plus. Rien qu'à ce titre-là, c'est intéressant, hein, de procéder au tri, hein. Ça permet d'avoir une vision quand même un peu plus claire de ce qu'on peut espérer de la culture. Si je vous parle de tout ça, c'est pour faire un rapprochement, bien évidemment, avec la méthode qu'on a employée, c'est-à-dire la culture sous foin, et pour laquelle je vous rappelle que les oignons avaient été probablement plantés un peu trop profond. Aujourd'hui, en les ayant récoltés, je pense que vous aviez raison, c'était sans doute un peu profond, malgré tout, ce qui n'a pas été manifestement trop préjudiciable aux oignons. Peut-être que pour l'ail c'est autre chose, puisque l'ail on n'a pas réussi du tout, et peut-être que la profondeur de plantation est en jeu, mais enfin il y a surtout une attaque de rouille très importante. Voilà, mais ceci pour vous dire que si je partage avec vous la récolte, c'est avant tout pour faire un rapprochement avec la méthode qui a été mise en œuvre. Donc je peux vous dire que ces oignons n'ont jamais été arrosés et que je n'ai pas constaté de problèmes particuliers pour les feuillages, hein, voilà, ces feuilles ont réussi parfaitement à émerger du foin. Il y avait une très bonne couche de foin là-dessus, hein, et ces feuilles ont parfaitement réussi à émerger sans aucune difficulté, hein. Donc voilà pour les oignons moyens. Voilà, on a encore 5,8 kg ici d'oignons, voilà, de ce calibre-là, hein, sensiblement plus petit, voilà. Donc ça c'est aussi intéressant sur le plan culinaire de les trier de la sorte, hein. Séverine, en fonction de ce qu'elle cuisine, elle pourra choisir voilà différents calibres. Alors on en a fait beaucoup, hein. Alors pourquoi autant d'oignons? C'est pas pour faire pleurer Séverine, hein, c'est pas la peine. Pour ça, une bonne blague pourrave, généralement j'y arrive du premier coup, elles font en larmes tout de suite, de désespoir, je pense. C'est simplement qu'on met des oignons dans à peu près tout ce qu'on mange, surtout moi. Et je crois que l'année prochaine, on en mettra peut-être même encore un peu davantage, dans la mesure où on réussit assez bien à les conserver. Voilà, 2,8 kg de belles échalotes ici aussi. Voilà, ça a bien fonctionné, hein. Ça c'est voilà une échalote qui a tenu ses promesses. Ça c'est vraiment pas mal. On en a tenté d'autres. Alors 2 kilos environ, voilà, d'échalotes de ce type-là, des échalotes un peu oignons, quoi, finalement, dans leur forme, mais ce sont bien des échalotes. Bon, ça, voilà, c'est bien, hein. Il y en avait pas beaucoup dans le filet au départ, je me souviens, hein, quand les petites échalotes qu'on a plantées. 2 kilos finalement en les récoltant, bon, il y a les verdures avec évidemment, c'est pas si mal. Néanmoins, je suis un petit peu désemparé devant le gabarit de ces échalotes là. Je me demande quelle application on va leur trouver à la cuisine. Bon, on verra bien. 2,5 kg d'ail, voilà, ça c'est la plus grosse tête d'ail dont je dispose. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, hein. La plupart sont vraiment très 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 petites. Alors j'ai déjà coupé les fans. Je sais qu'il faut en principe les laisser, puis bon, éventuellement les tresser ou des choses comme ça. Pour ma part, je les ai déjà coupées puisqu'elles étaient complètement, enfin, sèches. Hein, voilà, il y a plus de sève du tout là-dedans.
Il y a plus aucune humidité, il y a plus rien. C'était complètement bouffé par la rouille. Et on a eu une attaque vraiment extrêmement virulente là sur les ailes. Et ben voilà, ça a vraiment joué, je pense, sur le calibre. Alors, encore une fois, peut-être qu'en les plantant un peu trop profond, j'ai peut-être favorisé le développement du champignon dans cette ail. Bon, j'en sais rien. Il faudra essayer de répondre à ces questions-là, mais voilà, c'est pas une réussite. Peut-être pour faire de l'ail en chemise en cuisine, c'est-à-dire quand on écrase juste les gousses sans les déshabiller complètement. Bon, on verra bien. Et alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, je vous montre ça tout de suite. Alors ça, vous voyez, ça, ici, c'est complètement inutilisable, hein, voilà. Ce sont des échalotes que je m'étais procuré chez Gamcher en même temps que d'autres bulbes et qui avaient la particularité d'être vendues quasiment à moitié prix par rapport aux autres. Même moins que ça, encore moins cher que ça, c'était vraiment la super promo puisqu'on en avait le double pour la moitié du prix d'un filet d'oignons, d'échalotes comme les autres, hein, comme celles qui ont bien poussé. Donc, moi, je peux entendre à un moment donné qu'un produit fonctionne pas, on n'est pas dedans, comme on dit, hein, on peut pas présumer de ce que ça va donner, etc. Ok. Mais là, je peux pas trop m'empêcher quand même de faire le lien entre le fait que ces échalotes étaient clairement bradées, hein, dans l'espoir qu'elles soient toutes vendues, elles l'ont probablement été, et ce résultat, enfin, plus que minable, quoi. Je pense que si elles ont été proposées à un prix aussi bas, c'est que il y a une stratégie commerciale là derrière, façon grande distribution. De toute façon, hein, c'est le cas de cette enseigne. Et bah finalement, c'est pas un bon calcul puisque en ce qui me concerne, voilà, je suis un petit peu amer par rapport à ça et je considère que c'est quelque chose qui aurait dû être simplement retiré de la circulation, ne pas être proposé aux consommateurs, puisque manifestement le problème était connu, hein, y avait bien une raison pour que ces trucs soient vraiment si peu chers et puis voilà, on voit le résultat à la fin. Alors c'est pas bien grave, on comptait pas là-dessus, on a les autres échalotes qui vont nous donner satisfaction par ailleurs, mais j'ai quand même occupé un petit peu de place. On n'en a pas beaucoup, nous, de la place. J'ai quand même occupé un peu de place avec ça, au-delà de ce qu'elles ont pu coûter. Je pense que c'est très, très, très limite, hein, sur le plan relation au client, quoi. Voilà. Donc, d'autant plus qu'aujourd'hui, ben, j'en fais la démonstration, on communique beaucoup, facilement, et on est d'autant plus enclin à communiquer sur ce qui fonctionne pas, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit coup de gueule. C'est vraiment pas bien, quoi, d'agir de la sorte. Et voilà, ben je vous en fais part ici, je partage ça avec vous. On est ici presque mi-juillet même. C'est important que je le précise, effectivement. Donc on vient de récolter nos oignons il y a un jour ou deux là. Et je voulais donc partager avec vous le résultat d'une plantation sous soin et avec strictement aucun autre soin derrière, puisqu'il y a eu ni traitement d'aucune sorte, ni arrosage, enfin absolument rien, quoi. Hein, voilà. C'est tout donc pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao.